Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais commencer à vous parler du changement de ma chaîne, ok? Je m'écoute beaucoup ces temps-ci et je suis vraiment guidée à un peu lâcher les readings sur les signes zodiaques chaque mois et plutôt faire des messages pour le collectif. Je suis vraiment guidée à le faire. Ça fait quelques temps que mes guides me disent de le faire. Donc, pour tous ceux que malheureusement, bon, ils sont déçus de ce changement-là, je suis désolée, d'accord, c'est ça qui est ça. Il faut que je m'écoute, j'ai beaucoup de messages par rapport à ça. Puis c'est ça, donc ma chaîne va prendre une certaine tournure. Et vraiment, franchement, ça risque vraiment pas de plaire à tout le monde. C'est pas grave, c'est ok. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, je vais vraiment aller vraiment plus avec des messages pour le collectif. Et encore là, mes readings ne sont pas faits pour résonner avec tout le monde, d'accord? Donc, ça va être des messages vraiment peut-être plus précis pour certaines personnes. Ok, et moi je dis toujours, si ça résonne pas pour vous, ne forcez pas le narratif sur vous. Ok, un autre message que j'ai, je viens ici pour premièrement dire que qu'il faut que je le lâche. Je sens que je dois lâcher ça. Ça fait oui, en passant, c'est pour ça que aussi je n'ai pas terminé les autres signes du zodiaque. Je sens que là je dois me tourner vers plus des messages de la source du divin. Quoique ça a toujours été des messages du divin et tout, mais là je dois me tourner vers ça. Ok, peut-être que je reviendrai au signe zodiaque, mais là pour le moment ça va être ça. Ce que j'ai besoin de dire, qui a besoin de sortir pour tous ceux, ça va pas, là ça va pas parler avec tout le monde. Avant de commencer, merci pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début sur ma chaîne, pour de vrai, much love, merci beaucoup vraiment. Je vois vraiment qui a des bonnes intentions, même si on ne peut pas trop communiquer parce que YouTube bloque mes commentaires. Mais n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre, gênez-vous pas. Il y a aussi ma page Instagram qui est aussi dans la description en bas si vous voulez, mettons, booker avec moi des readings. Je les prends aussi par email. On m'a fait réaliser, merci cher ami, je sais que tu te reconnais. Que ça serait bon aussi que je prenne les emails des gens qui a d'autres shutdowns avec ces réseaux sociaux-là. Hein. Donc, vous pouvez m'écrire par email si vous voulez booker avec moi. Je ne vous pas. Je suis là pour ça, ok? Ça va me faire plaisir vraiment de pouvoir répondre à vos questions. Ce que j'ai besoin de dire ne va pas parler pour tout le monde. C'est vraiment un message spécifique à certaines personnes qui vont se sentir visées, ok? Toi qui m'espionne sur ma chaîne. Oui, toi qui m'espionne sur ma chaîne. Il y en a qui m'espionnent. Il y a quelqu'un qui m'espionne sur ma chaîne, mais qui n'a pas de mauvaises intentions. Peut-être que tu es gêné de m'adresser la parole, c'est correct. Je sais qui tu es. Va me parler, il n'y a aucun problème. Sans recul, ok? Tu sais qui tu es. Deuxième chose, la personne qui m'espionne, les personnes qui m'espionnent, qui essaient de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qui me souhaitent du mal, ok? Je t'ai bloqué, mais je sais que tu trouves une manière de regarder mes affaires pareil, ok? Je sais que tu m'as stocké, tu me stocks, je sais, ok, que you do shit on my back, ok? Tu parles à des voyants, tu parles à des tarot readers par rapport à moi, ok? Spirit confirm that for me. Est-ce que ce que je dis est bien vrai? S'il vous plaît, mes anges, mes guides de la lumière. Ça, c'est un gros oui, ok? Toi qui étais censé dans ma vie, toi là, ok, même ceux qui ne sont pas nécessairement dans ma vie, mais qui essayent. Malheureusement, je ne pensais pas que c'était ça le danger de YouTube. Ok, il y en a certains qui font de la magie. Malheureusement, moi, je ne suis pas là-dedans, mais je vais juste vous dire quelque chose, ok. C'est pas pour me gonfler la tête. Je ne parle pas avec mon ego. Ok, j'ai du sang royal, guys. Ok, si tu fais la magie sur moi, attends-toi à ce que ta vie devienne encore plus misérable qu'elle l'est présentement, ok. Ok. Ok? Confirmez-moi ça, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, avant que je passe au message. Est-ce que vous pouvez me confirmer le message que je suis en train de dire? Ouais. Toi qui me stocke, toi qui te poses des questions sur moi, ma vie, là. Ok, ta vie va être misérable. Je suis intouchable spirituellement. T'as essayé, mais ta vie, ça n'a pas fonctionné.
t'as vu que ça n'a pas fonctionné. Ok, toi? Ok? Don't play with me. Don't play with me. Ok? Dieu, source, me protège. Je suis un enfant de Dieu. Ok? Et ça va vraiment mal aller pour toi. Ok? Fait que si ça ne va pas bien dans ta vie, tu es malade ici, là. Ok? Tu perds la tête. Tout explose dans ta vie. C'est à cause de toi. Tu n'aurais pas dû jouer avec ce que tu ne connaissais pas. Et pourtant, tu as essayé de bloquer mon abondance. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Oh, je vais me calmer là. Mais tu devrais te faire rembourser. Parce que la nouvelle vie, le nouveau monde est présent collectivement. Et dans ma vie, je suis dans ma nouvelle vie. Ok? Ok. Ok. Ok? Est-ce que vous pouvez me confirmer ça une dernière fois, s'il vous plaît? Yeah. My guides voulaient que je parle de ça. Ça fait quelques jours que j'hésitais à faire cette vidéo. Ok? Ok? Ça ne marchera pas. Va te faire rembourser. Allez vous faire rembourser. Ok? Don't play with my face. C'est le message que je voulais vous passer à ceux qui sont concernés. Je ne me cacherai plus derrière la caméra. Oui, il y a des fois que je vais faire des vidéos. Ça me tente pas, ça me tente pas tout le temps de faire des vidéos qu'on voit ma face. Déjà, je suis quelqu'un un peu gêné et tout. Mais justement, vous me prenez pour acquis. Vous pensez que je suis gêné, puis vous pensez que je suis faible. Et toi qui me connais, tu es censé savoir comment je suis pour de vrai. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais va te faire rembourser parce que ça ne marche pas. Tu essaies d'avoir des informations sur moi par rapport à certains psychiques, médiums, tarot, rideux, ça ne fonctionne pas. Come on your ass. Maintenant, je commence pour mon collectif. C'est ce que j'avais besoin de dire. Donc, je vais faire un message pour le collectif. Ok, pour ce qui résonne, laissez le reste. D'accord? Don't play with my face. C'est juste ça que j'ai à dire. Puis, petit homme qui m'espionne, ça, c'est un autre message pour quelqu'un. Je sais que tu regardes ma chaîne et que tu as envie de me parler. Ok? Puis, toi, tu es legit. Je sais que tu ne fais pas des choses toxiques derrière mon dos ou quoi que ce soit. Mais je sais que tu regardes mes vidéos, ok? La porte est ouverte. La porte est ouverte. Tu peux me parler, il n'y a aucune gêne. Mm-hmm. On a besoin de discuter avec moi. Une vraie, sincère discussion, ok? Donc, pour le collectif, les anges, mes guides de la lumière. Tu vois, je commence à avoir mal ici. On va pas me stopper, on va pas me stopper, on va pas m'empêcher de parler. Moi, j'ai une mission ici. Je m'ouvre de plus en plus, puis je vais arrêter d'être gênée, de partager. Qu'est-ce que j'ai à partager, même si on me trouve crazy. I don't give a fuck. Et vous allez voir ma vraie personnalité. I curse a lot. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Ça suffit, là. Ok, j'ai un niveau de professionnalisme là aussi. Ma chaîne, je veux être authentique. Fait que pour ceux que ça les dérange, ben, vous savez déjà quoi faire. Regardez-moi pas, écrivez-moi pas des messages haineux, des messages négatifs. Ça sert à rien. Ok, ça, vous allez juste vous rendre encore plus misérable. Ok, tous ceux qui me soutiennent, much love pour de vrai. Merci, thank you, je vous aime pour de vrai. C'est juste ça que je veux. J'ai toujours voulu être entouré que d'amour dans ma vie. Puis c'est ça. Des messages pour le collectif en ce moment, s'il vous plaît. Je m'écoute tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Le collectif, je suis vraiment portée à porter que des messages maintenant. Et comme je le dis tout le temps, je suis pas la videuse qui va poster à tous les jours. Ok, bon, props à ceux qui le font. Moi, je m'écoute. Puis ça fait plusieurs jours que mes guides me disent go, t'as des messages à passer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est drôle qu'aujourd'hui, je décide de le faire. Et je viens de me rendre compte que c'est aujourd'hui. On est le 19. Mais quelle date, la spirit? On est le 19 novembre 2021. Ok, c'est un full moon. Puis un éclipse aussi. Okay, je pense que c'est un bluff full moon. So, yeah. Ok, fais-toi confiance, faites-vous confiance. Ok, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent sur une certaine réalité en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde. Puis je vais le dire, oui, avec le gouvernement. Fait que là, YouTube va me shadowban, ça me dérange pas. Ok, ouvrez-vous à vos dons, j'entends aussi, ok?
Observez votre vie, observez la vie qui se passe aussi alentour de vous, mais votre vie. Ok, il y a beaucoup de changements qui se passent. Vous êtes puissant, croyez en vous. Ok, puis j'ai un message de pour certains, achetez-vous vos propres cartes pour de vrai. Je vais vous le dire. Tu sais, je suis pas celle qui. C'est, je suis contente que vous regardez mes vidéos et tout, que je peux vous aider, vous instruire. Même si des fois, bon, j'ai de la misère à m'exprimer, mais bon, ça va, ça. Mon problème de gorge va arrêter. Hein? Mais je vais vous le dire honnêtement, it's time for you too de vous prendre vos decks, vos tarot decks, lire pour vous. Ok, j'ai le message, prenez-vous des pendulums. Puis je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a quelques années, on m'aurait dit que j'aurais fait tout ça. Pour de vrai, j'aurais pas cru, je l'aurais pas fait. J'étais quelqu'un qui était contre ça, de sens pas que je jugeais ce qu'il faisait, au contraire, j'ai toujours un respect pour ce qu'il faisait, mais moi j'ai toujours eu peur. Puis je me suis dit, non, moi les tarots, tout ça, c'est pas bon. Puis je viens d'un lieu où on me disait pas mal que c'était pas bien, d'accord? Même si bon, ces gens-là pratiquaient d'autres choses, mais on sur ma caméra. Mais c'est ça, fait que. Puis je sais que je suis destinée à passer ces messages-là Yeah, me voilà aujourd'hui devant vous. Qui l'aurait cru? Ok, regardez à l'intérieur de vous. Yes, commencez à vous acheter vos decks, vos tarot decks. Oui, c'est bien prendre des tarot vidéo. Oui, ok, mais comme c'est temps d'observer aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis de vous écouter, puis chercher les renseignements que vous cherchez à l'intérieur de vous. Ok, relève-toi. Peut-être que les choses sont assez difficiles pour vous en ce moment. Vos guides, vos anges. Peu importe vos croyances, vous pouvez être religieux, c'est pas grave. Mais on vous dit, c'est temps de vous relever. Arrêtez de vous appuyer sur votre sort. Ok, on veille. Oups. On veille sur vous. Okay, n'ayez pas peur. On veille sur vous. Oh, qu'est-ce que je disais? Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Je sais pas si on va bien. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous. Oh my God. Il y a quelque chose avec de. Je ne vais pas trop dire le nom parce que YouTube bloque quand on parle de ça. Mais de vide, si vous savez de ce que je parle. Ok? De vide, ça vous crée de la peur. Stop it! Relevez-vous. Arrêtez d'être dans la peur. C'est temps de vous lever. Hein? Je suis primé. Ok? Visualisez votre plan de vie. Avec préparez-vous au changement. Puis ça peut être globalement qu'il va y avoir des changements aussi, là. Ok? Mais avec vous. Préparez-vous au changement. C'est le temps de. Oh, puis surtout avec le full moon éclipse qu'on a, puis qui va se faire ressentir pour les 3 prochaines journées, si je me trompe pas, peut-être je me trompe. Manifestez vos désirs, ce que vous souhaitez. La nouvelle vie s'offre à vous. Ok, tu dois t'impliquer. C'est le temps de manifester votre vie, ok? Bon, juste pas laisser les cartes tomber, s'il vous plaît. Tes prières nous rapprochent. Ok, si vous priez déjà, tant mieux. On vous écoute. On veille sur vous. Ok. Sinon, on vous demande de plus prier. Parlez à vos anges, vos guides. À bon Dieu. Ok. Ta mission de vie. Ok. C'est temps de vous aligner avec votre mission de vie. Là, j'entends. Mais je ne sais pas comment. Regardez à l'intérieur de vous, c'est tout. Faites votre buff choice. Lisez des livres. Cherchez. Ok. Regardez aussi. Peut-être, j'entends. Bon, je suis en train de canaliser. Il y a peut-être des affaires que vous faisiez, que vous étiez dans votre enfance, que vous étiez enfant, que vous pouvez appliquer. Peut-être que vous avez un certain talent quand vous étiez enfant, puis pour X, Y raison, ben, vous avez bloqué ça. Ok, votre inner child, votre enfant intérieur a besoin de ressortir encore plus. Ok, fait que pour certains qui se posent la question vers c'est quoi mon talent, c'est quoi mes dons, c'est quoi ma mission de vie, je pense qu'elle est en lien avec votre enfance. Ok, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut me confirmer ça, Spirit, s'il vous plaît? Yes. Ok, ça c'est un gros oui. It's time. C'est temps de se réveiller, guys. Ok? C'est temps de se réveiller. Oh, on va pas m'aimer pour ça parce que moi, je veux dire les messages tels qu'ils sont. Ok? Je suis pas là pour faker ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour demander de l'argent. Non, moi, je suis en train de remplir ma mission de vie. Puis si je sais que je dois uplift l'humanité, ok, d'une manière ou d'une autre. Je sais que ça va toucher au moins une personne.
Tant mieux. Ok, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Là, it's time. Je peux plus rester assis derrière. Ok. Il y a trop de changements qui se passent. Il y a le nouveau monde qui saute. Il y a beaucoup de gens qui disent, on dirait que c'est la fin du monde arrive. La fin du monde est là, guys. La Matrix est en train de casser, de péter, collapse. C'est fini. Toutes les illusions que nous avons depuis que nous sommes jeunes, depuis qu'on est nés, ils sont en train de tomber. Ok, là, certains ne vont pas être d'accord. Moi, c'est pas grave. C'est pas grave, ok? C'est temps de s'éduquer, là. C'est temps de s'éduquer. Vous allez voir beaucoup de changements autour de vous. Vous allez perdre des gens qui sont pas alignés avec vous. Puis c'est ok. Oui, c'est vrai que ça peut être... Vous pouvez vous sentir seul durant ce moment-là. Mais la source aura toujours un bon plan pour vous. Mais croyant la source, ok? Faites confiance à vos guides, vos anges, vos ancêtres qui sont là pour vous aider. Parlez plus, communiquez avec eux plus, comme je vous dis, achetez-vous un pendulum, achetez-vous un tarot d'air. Il y a toute forme de divination, puis c'est ok. Ok, c'est ok. Pour certains, j'entends que vous venez d'une famille religieuse, c'est mal vu. C'est pas besoin de toujours vous expliquer. C'est votre vie, guys. C'est votre vie. Ok, let's go, guys. Let's go. Let's go, let's go. C'est pas pour ça que je m'appelle le God Old Soul. J'y vis plein de vie. Je pense que celle-là, c'est ma dernière. Puis c'est là que je vais exploiter encore plus ma spiritualité et passer les messages que j'ai besoin de passer. Je m'en fous de quoi j'ai de l'heure. Je dois animer mon authenticité. Puis j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me respectent pas, ceux qui... Amour pour vous aussi, ok? Oui, aujourd'hui, je viens d'une manière... Je sais pas pourquoi je me sens comme ça. Mais je pense que le message devait passer. Pour le collectif, ok? The Age of the Light. Vous avez été traîné for this, for lifetimes. C'est le temps d'exploiter votre spiritualité. D'explorer votre spiritualité. Écoutez... De pas supprimer votre intuition. Vous n'êtes pas fou. Faites-vous confiance. Puis, c'est une question de nouveau monde aussi, là. C'est ça. Stop overtaking. Keep facing your true north. OK? Faites face à votre vraie direction. It's time, guys. It's time, guys. Stop. Arrêtez. C'est ça, vous vous accrochez à quoi? À des illusions encore? À les mêmes illusions qu'on vous a appris depuis que vous êtes jeune? Non, stop it. Vous savez que vous êtes spécial. Je parle à vous. Je sais que vous êtes unique. Vous vous sentez différent. Je dis toujours, on est les X-Men de ce monde. Let's go. Je parle à des gens spécifiques parce que mes readings ne sont pas faits pour parler à tout le monde. Let's go, guys. Stop. Yeah, trust your path. Faites confiance à votre chemin, ok? Comme, let's go, guys. Alignez-vous avec votre vie. Comme, c'est le temps. Yeah! Créer le paradis sur terre. It's happening. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Oui, tout est en train de péter. Tout sur terre est en train de... Yes! On confirme encore. Tout est en train de... C'est de péter, de se détruire un peu sur la Terre. Mais c'est parce que la Terre est en train de vivre un certain cycle en ce moment, si je peux dire ça comme ça, pour amener le nouveau monde. Les choses ne seront plus pareilles. Si on pense qu'on va revenir à la normale, non, on ne va plus revenir sur les illusions qu'on nous a apprises depuis qu'on est jeune. Fini. Ok, fait écoutez-vous. Et puis c'est nous seuls qui pouvons guérir la Terre en faisant des petits changements ou des grands changements. C'est le temps. J'ai ce message de prendre soin de la terre un peu plus. Gaïa est fâchée, nos ancêtres sont fâchés. Est-ce que je peux avoir une confirmation, oui ou non? Ce que je dis, est-ce que c'est fou? Voilà. Ce que je dis, c'est vrai, guys. Ok. Ce que je dis, c'est vrai. Ça fait... Birthing a new age! Guys, it's time. Réveillez-vous là. Wake up.
même si vous paraissez fou avec envers les gens autour de vous, allez, non, comme it's time to talk. Yeah. Mettez vos limites. C'est pas tout le monde qui sont faites pour être proche de vous. Brisez les illusions. Si vous avez besoin de vous séparer de certaines personnes parce que ces personnes-là ne sont pas alignées avec votre vie, c'est triste, peu importe votre relation, mais vous voyez, c'est toxique, ça ne vous amène à rien. Il n'y a pas de changement, ça ne vous fait pas grandir, vous n'avancez pas avec certaines personnes ou certaines situations. Lâchez prise! Lâchez prise! Comme ça, votre soul family va être proche de vous, va venir vers vous, là, ok? Council of the Light, yeah, Divine Orchestration, Helpers in the Realms, pardon mon anglais, mes traductions, ok. Regardez toutes ces guides qui sont là. Vous avez vos guides qui vous envoient des messages, des guidances. C'est temps de les écouter là, ok. C'est temps de les écouter. Les guides aussi sont fâchés par rapport à ce qui se passe sur Terre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Oh my god, ok, j'ai un autre message. Puis là, on va me croire que je suis. Ok, c'est pas tout le monde qui a vu ça, mais. Mes anges, me disent, est-ce que je devrais vraiment parler en ce moment de ce qui se passe avec le volcan qui est en éruption sur l'île Canarie? Ok, they want me to talk about it. Merci. En ce moment, il y a un volcan, ok. Là, je vais pas faire peur à personne. Quand je vous dis que Gaïa est fâchée, là. Sauce est fâchée. J'entends, il y a trop de trafic d'enfants qui se passe. Il y a trop de mauvaises choses qui se passent. Toxicité, crime. Enough is enough. Il y a un volcan qui est en train d'exploser en ce moment. Qui est en éruption. Et cela peut créer un tsunami. Je ne veux pas faire peur aux gens. Si vous m'écoutez, vous venez, mettons, des États-Unis et tout. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire exactement quelle région va être touchée. Ça va créer beaucoup de ravages. Ok. Si vous ne croyez pas, vous pensez que c'est de la conspiration, c'est correct. Vous avez le droit. It's ok. Faites vos recherches. Regardez sur Google. Vous pouvez voir l'éruption en direct. Ça se passe. Et ça, ça va créer un gros tsunami. La source est fâchée. La source, les anges, ils veulent tout tasser ça. C'est le message que je devais passer. Je vais le dire, on me pousse à le dire. Oh my god, Floride, New York va être sous l'eau. Oh my god, I can't. J'ai des frissons. Je veux pas commencer à pleurer. Je veux pas faire peur à personne. Ok, moi je vis au Canada. Je sais pas, je peux spirit. On m'avait déjà dit que non pour certaines régions du Canada. Mais Canada va être touché, j'entends Vancouver. Oh, je vais pas dire plus. Oh my god, je vais pas dire plus. Mais guys, Gaïa est fâchée. Gaïa est fâchée. Les anges sont tannés. Stop. Ah, c'est le temps de mettre de guérir la terre. C'est le temps de mettre plus d'amour là sur ça là. Oh my god. Ok, je vais stopper la parenthèse. Mais je suis vraiment venue pour parler aujourd'hui, guys. Je suis vraiment venue pour parler, ok. J'entends quelqu'un qui me demande pour le sentimental. Alors, on va aller pour le sentimental, guys. J'ai l'impression qu'il y a plus de connexion. Après tout ça, là, je sais pas pourquoi j'entends 2024. Oh my god, est-ce que tu peux me confirmer? J'entends qu'il y aura des changements en 2024. Est-ce le cas? Globalement. Gros oui. Ok, guys. 2024 va être une année importante. Je ne sais pas pourquoi exactement. J'ai entendu qu'on croit qu'il y aura plus d'union. La source veut plus d'amour, ok, et beaucoup moins de toxicité. Ce qui est vrai, ce qui est legit. Ok, pardon. Mais là, c'est le temps d'amener l'amour, tu sais. Gaïa nous fait confiance, on est sur terre, puis on n'en prend pas soin, ça marche pas. Ça marche pas. Et pour me tout, je parle pour moi aussi, là, comme il y a des choses que je faisais. Tu sais, juste. Puis,
Juste un instant, s'il vous plaît. Pardon, j'ai dû couper ça un instant. C'est quoi que je disais ça? Oui, il y a beaucoup d'unions qui vont se faire. J'entends Lightworkers. C'est le temps d'aider la Terre. Oui, ce que je disais, c'est que même pour moi, guys, tu sais, ça fait comme plusieurs temps maintenant, tu sais, plusieurs années, de pas jeter mes affaires à terre, des papiers, whatever, comme, puis on disait, tu sais, ben toi, tu peux jeter ça à terre. Ou je suis comme, non, je vais le recycler, je fais du recyclage. Bon, je suis pas encore rendue au compost, puis j'y arrive, tu sais. Je dis pas non plus, tu sais, j'entends vegan, je sais pas pourquoi, je dis pas de tourner vegan non plus, mais tu sais, faites attention aussi pour vous de bien manger, c'est important. Il y a beaucoup de maladies, j'entends beaucoup de morts, il y a beaucoup eu de... Cette saison du scorpion a été, je sais pas pour vous, vous me direz, si les commentaires sont débloqués ou écrivez-moi par email, ok, ça va être en bas dans la description. Ça a révélé the world, the full. Nouveau monde, nouveau beginning, nouvelle aventure. Nouveau changement, nouveau monde. Okay. Cette saison du scorpion a tellement révélé de choses. Peut-être que vous vous êtes même défait de certaines relations que peut-être que vous procrastinez à le faire, mais que vous étiez censé le faire, puis la sauce a juste... De la manière forte. Puis c'est plate, mais c'est comme ça. Pourquoi j'entends l'industrie est en train de se faire exposer le gouvernement? Oh my god. On va voir s'ils vont publier ma... Puis, tu sais, oui, OK. Je respecte le choix de tout le monde. Juste... Comment je peux dire ça? Faites attention à vous, d'un sens. Tu sais, mangez bien, prenez soin de vous. Ok, essayez de manger un peu plus naturel. Ok, puis je dis pas ça, puis que moi je le fais pas parce que I do it. Ok, je m'efforce de le faire plus souvent. Je fais attention à ce que je consomme. Du moins, j'essaye des téléphones de tenter. Petite gâterie décide de ça. Mais c'est le temps de reprendre notre santé en main. Si vous êtes déjà en santé, vous faites attention à vous. Good job, continuez. Prenez soin des autres alentours de vous. Encore sentimental, fait que je sais pas pourquoi on va aller vers le sentimental, parce que je sais qu'il y en a qui demandent pour ça. C'est un peu le message qui était là. Ouais, mon reading est un peu all over the place, mais c'est le message que je donne aujourd'hui. Quelqu'un vous voit super attirant, je parle au ilou elle, mais c'est pour tout le monde. Ok, il y a quelqu'un qui vous voit comme de la victoire. Qui demande vraiment comme de mettre des efforts sur cette connexion-là. Vous êtes un petit peu witchy, psychique. Je sais qu'il y a des tarot readers qui me regardent ici. Yeah, someone want to be you, un peu. Il y a quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui est plus capable de résister à cette séparation. Il y a quelqu'un qui pleure pour vous, guys, mais qui a comme une difficulté à faire confiance à 100%, j'entends. Je suis très consciente que vous ne voyez pas les cartes au complet. Wow. De tempérance, pardon. Votre empereur, homme ou femme, c'est pour tout le monde, avait besoin de guérir quelque chose, des toxicités alentour de lui ou de elle, mais aussi à l'intérieur d'eux. Yeah. De guérir un certain mariage aussi, peut-être, de se séparer, je sais pas. Ou de...
de se séparer de certaines façons de penser. Ok. Deux autres cartes, s'il vous plaît. J'ai un couple divin. Tantôt, je disais qu'il y aura beaucoup d'unions qui vont se faire peut-être d'ici 2024. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Il y a la chance. The Wheel of Fortune. J'ai le pape et la papesse. Qu'est-ce que c'est ça? De l'empereur et de empress. J'ai un couple divin ici. Les connexions spirituelles ont besoin d'être formées dans les prochains temps à venir. C'est ce que Source veut. Ça va aider aussi à guérir la terre. Je sais que ça paraît foufou là, mais c'est ce que j'ai, ok? Someone want to speak to you. Ok? Someone want to speak to you. The Tao kicks the ass. Il y avait de la guérison à faire. Ok. Votre personne, ça va vraiment dans un chemin plus spirituel aussi là. Et cette personne-là se réveille aussi sur des illusions qui se passaient alentour de lui ou de elle. Ok. Cette personne-là vous espionne sur les réseaux sociaux. D'une manière ou d'une autre. Je vais switch the cards. Je sais pas pourquoi on est tombé sur sentimental, mais c'est ça. Mais on parle de couple divin. Je veux pas trop parler des flammes jumelles, des twin flames. Ok, moi-même, tu sais, je vais vous le dire, moi j'y crois, mais pas nécessairement qu'est-ce qu'on met sur les réseaux sociaux, YouTube, parce que ça promote beaucoup la toxicité. C'est pas la première fois que je l'ai dit dans mes readings, ok. Moi pour de vrai, tu sais, il y a des tarots bidus, puis je vais le dire, tu sais, qui promeuvent vraiment la toxicité. Ça fait que les gens restent dans des situations. Bon, on a tous notre free will, on a tous, tu sais, on doit penser par nous-mêmes, mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Fait qu'il y en a qui restent coincés dans ces cycles-là, ces patterns-là. Et là, ils vont regarder plein de readings. Ça promeut la toxicité. C'est comme, non. Je m'en fous que c'est votre twin flame. Faites qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais oui, tu sais, pour moi, on dit, ouais, mais tu crois à ça. Oui, spirit, Dieu, me montre des signes que je suis là-dedans. Connexion spirituelle. Mais ma situation n'est pas comme celle qu'on promote sur... Je ne vais pas dire, oh, je suis meilleure que les autres, c'est pas ça que je dis, c'est juste... Je sais pas, il y a quelque chose avec cette tendance de twin flame qui me dérange là maintenant. Là. J'appelle ça comme ça parce que bon, c'est ce que vous connaissez et tout, mais comme guys, je veux juste ouvrir vos yeux avec qui vous partagez cette supposée connexion, ok? Genre, juste regarder les red flags, c'est time de vous ouvrir là, guys. Là. Pourquoi perdre votre temps, votre énergie, votre vie à courir après quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous blesse sans cesse, tu sais? Oui, bon, si c'est votre vrai couple divin, puis que vous disiez, oui, j'ai reçu des messages de la source, votre personne vous a fait de la peine. Oui, ça arrive, elle vous a peut-être déçu. Mais comment je peux expliquer ça? Parce que les gens vont s'associer à ça facilement, surtout si je dis, tu sais, quand l'amour est là, l'amour est là pour de vrai. Puis je parle pas de l'amour avec des conditions. Je parle de l'amour inconditionnel. Ok? Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là, puis c'est ce que j'avais à dire sur ce point-là. Là. Comme, c'est le temps de vous libérer aussi de la codépendance aussi. Là. Comme, stop it. Guys, stop it. Puis je parle parce que j'ai vécu ça. Ce que j'échange avec vous, je l'ai vécu, guys. J'ai été comme ça. Je vais vous le dire, je vais être transparente avec vous. J'ai été quelqu'un que, bon, j'ai vécu beaucoup de blessures d'enfance. Of course, comme beaucoup d'entre nous, si j'ai pas grandi avec un père, savait que moi, un homme qui s'intéressait à moi, ben moi, je m'attachais à ça. Moi, je m'attachais à ça. Et j'étais quelqu'un qui give, qui donnait. Puis après ça, quand je me faisais, mettons, rejeter, ben, tu sais, je pointais du doigt. Tu sais, c'est ta faute. Moi, j'étais là pour toi. Puis que, mais, bitch, regarde-toi.
Fallait que je me regarde moi à l'intérieur, tu comprends? J'avais des choses à régler moi aussi. Tu vois, je voyais les red flags et j'ai continué. Ok, je me suis déçue sur le choix. Ça n'avait pas aidé. J'ai été dans une relation abusive. Ça n'avait pas aidé. Je suis pas mal de parler de ça. Je suis très transparente là-dessus. J'ai été dans une relation super toxique. Ça m'a pris du temps à me pardonner. À pardonner cette personne-là, si je peux dire ça comme ça. Non, on n'est plus en contact. Ça a été difficile, je vais vous le dire, j'ai failli perdre la vie à plusieurs reprises. Thanks God, je suis là aujourd'hui. Je me suis sortie de ça après plus de 4 ans. Ça a été difficile, mais il fallait que je voie aussi mes problèmes, pourquoi je restais attachée là-dedans. Parce que j'étais habituée à cet environnement-là toxique, abusif. Parce que je vais vous le dire, je viens de quelque part d'abusif. Puis pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était normal. Mais ce ne l'est pas. Qu'est-ce que tu as à me dire pour tes sentimentaux pour ceux avec qui ça va résonner sur toi? Votre personne prie pour vous. Elle essaie de vous manifester. Puis j'entends, durant ce full moon-là, il va y avoir des changements pour beaucoup de personnes. Attendez-vous d'entendre votre personne pour de vrai, là. Ok, cette personne-là vous voit comme son partenaire de vie. Puis je parle au couple divin aussi. Mais pas nécessairement, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un message pour vous. Ok. Pourquoi j'ai entendu, ça fait longtemps que vous êtes célibataire pour certains. Ça fait vraiment longtemps. Vous pratiquez aussi l'abstinence, ben on vous dit félicitations et on vous dit aussi que vous alignez avec la personne pour vous, que vous sachiez c'est qui ou non. J'entends encore 2024. Il y a beaucoup de changements qui sont à venir. Love yourself first. Ok? Ouais, justement, qu'est-ce que je disais? Vous vous alignez avec votre personne, mais justement parce que vous vous aimez, vous apprenez à vous connaître, à vous connecter avec vous-même, à vous aimer, à apprendre à vous aimer. Guys, c'est good ça. Il y a de la réconciliation avec votre personne qui s'en vient attendre. Ce full moon là, cette éclipse. Let go of control issues. Peut-être que cette personne-là, son moyen de contrôle, c'était peut-être se tenir à distance peut-être de vous. Je pense qu'elle va lâcher. Elle va arrêter de garder ses barrières hautes. Ok. Puis peut-être être plus vulnérable. Ça peut être vous aussi. Hein. Switcher les rôles. Ok. Je suis très consciente que ça ne va pas résonner avec beaucoup de gens ce meeting-là. Ok. Il y a beaucoup de chimie avec entre vous deux. Ok. Cette personne-là voudrait que vous lui laissiez une autre chance. Je pense qu'on va bien. You want to papa? Non. Je veux mariage, mais... Pas cela pour relationship. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis des vies antérieures, des vies passées, puis que à chaque fois que vous vous suivez, pour x, y raison, ça ne fonctionnait pas, mais peut-être que sur cette vie... Ok. J'ai l'impression que... Ouais. Soumet. Yep. Past life soulmate. Je sais pas si on voit bien. Je vois que la lumière elle gosse un peu. Est-ce qu'on voit? Ok, on voit un petit peu. Yeah! Very soon, guys. Very soon. Je peux avoir deux autres cartes, s'il vous plaît. Peut-être que cette personne-là demande de l'aide ou des conseils de certaines personnes dans son entourage. Peut-être que vous avez des amis en commun. Ok. J'entends demander des conseils à votre famille pour certains. Cette personne-là voudrait regagner votre confiance. Il y a eu une déception. Votre personne a été décevante. Je parlais pas de codépendance. Je sais pas si on voit bien. Je parlais de codépendance. La codépendance affective. Cette personne-là avait peut-être du mal à se détacher d'une certaine relation du passé.
où cette personne-là était en mode player. En tout cas, cette personne-là a été décevante envers vous, pas honnête. Reading, j'ai pas dit que mariage voulait sortir. Mais peut-être que bon, cette personne-là était mariée ou quoi que ce soit, mais qu'elle n'était pas bien non plus. Ok. J'ai l'impression que cette personne-là vous voit vraiment comme son partenaire, sa partenaire de vie. Free yourself. Cette personne-là espère que vous soyez seul. Vous n'avez pas personne d'autre. Mais je vais vous le dire, faites attention aux red flags. Assurez-vous que si cette personne-là, elle vient, qu'elle vient avec les bonnes intentions, puis je vais vous le dire vraiment là, ok? Soyez ferme, soyez strict, tout ça avec cette personne-là, je vais vous le dire, ok? Assurez-vous qu'elle ne vienne pas ou non plus avec des bagages du passé, ok? Je vais vous le dire très franchement. Arrêtez de porter des lunettes roses, comme on dit. Mais je fais des traductions parce que bon, je parle anglais, français un peu, fait que ça. Ok. Laissez vos lunettes d'illusion. Déposez-les puis voyez les choses pour qu'est-ce qu'elles sont. Si c'est une relation que vous voulez rien savoir, go, c'est correct. Vous allez quand même toujours avoir quelque chose de mieux, mais continuez à travailler sur vous, ok? Et si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que vous recherchez, assurez-vous juste que ça ne répète pas des choses, que certains cycles ne se répètent pas. Je vais quand même tirer des messages de cette personne-là pour vous, ok? Oh, j'espère que cette vidéo-là va être enregistrée parce que chaque fois que je fais des vidéos, ça n'enregistre pas. Et je vais fâcher. Reste une heure que je parle. Le message de cette personne-là envers la personne qui regarde la vidéo. Please que cette vidéo soit enregistrée pour ne rien être fâchée. Parce que je vais abandonner. Je t'ai mis de côté car je ne savais pas quoi faire. Je sais pas si on voit bien. Ok, votre personne aussi avait comme de la difficulté à être vulnérable, à faire confiance. Ok. Donc elle avait des. Tu m'as traité mieux que n'importe qui d'autre. Et que j'ai l'impression que votre personne se réveille par rapport à son entourage et puis se dit comme elle était dans des illusions. Hein? Elle s'accrochait à certaines illusions. Puis que finalement, c'est pas ça. Peut-être que cette personne a décidé de. Comme, peut-être que. Ça, c'est. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être que vous fréquentez cette personne-là. Vous pensez que les choses allaient bien. J'ai l'impression aussi que vous donnez beaucoup cette connexion-là, mais que c'était pas réciproque finalement. Cette personne-là a décidé de rester dans son environnement malgré qu'elle sait que c'est toxique, malgré qu'elle sait qu'elle n'est pas bien. Mais elle a appris elle va apprendre des leçons. Ok. Mais qu'elle regrette beaucoup votre personne et elle sait que vous l'avez traité mieux que n'importe qui. Mais vous aussi, vous avez du travail à faire sur vous parce que je sens que vous donnez. Stop it. C'est l'amour conditionnel, ça, en passant. Parce que vous faites ça, peut-être inconsciemment, mais en attendant, vous attendez un certain résultat. Ok? Puis je parle parce que je sais c'est quoi. Je le faisais. Non, c'est fini. Cette personne-là voudrait. Elle vous dit, s'il te plaît, laisse-moi te voir. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Je t'ai menti lorsque je t'ai dit de passer à autre chose. Je ne veux pas que tu passes à autre chose. Je veux te laisser des fleurs à ta porte. Je m'ennuie de me réveiller auprès de toi. Les autres. Je regrette d'être avec cette autre personne. Yeah. C'est comme si votre personne est restée trop longtemps dans une certaine situation. Pourquoi j'ai entendu cette personne-là voulait vous rendre jalouse. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas si on voit bien parce que j'ai une petite lampe aussi pour éclairer. Okay. Est-ce que tu m'aimes toujours? Je ne m'aimais pas. Donc, je ne me sentais pas... à la hauteur pour toi. Ok, moi, il met une traduction, mais lisez ce qui est marqué. Ok. C'est ça, il y a cette question de self-love. Ok. Je quitte cette personne-là car c'est avec toi que je veux être.
Mais comme je vous dis, ok, faites attention aussi aux red flags. Assurez-vous que c'est avec des bonnes intentions. Assurez-vous que cette personne-là est honnête. 4-4-4-4. Ok. Assurez-vous qu'elle n'a pas de bagage du passé, guys. Pour de vrai, là, cette personne-là a des rêves par rapport à vous. Ok. Donc, c'est ce que j'ai pour votre personne comme message. Je vais accélérer parce que j'ai peur que... J'ai pas beaucoup d'espace sur mon laptop, là. Ça m'énerve. J'espère que je vais avoir un nouveau téléphone, un nouveau laptop pour avoir plus d'espace, là. Parce que là, j'ai 45 ou 6 minutes. Je vois pas très bien, là. Parce que mon écran est craqué aussi. Fait que vous le voyez pas, mais mon laptop est un peu craqué. Je vois pas très bien les minutes. Alors, on se fait avec qu'est-ce qu'on a, hein? Non, je sais pas. Puis j'attends aussi pour ceux qui veulent stocker leur YouTube channel. Là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la grosse affaire non plus. Commencez avec qu'est-ce que vous avez. Comme ça, c'est pour quelqu'un spécifiquement. Okay? Faites-vous confiance. Je sens que vous vous sentez inspiré par d'autres personnes. Vous êtes capable aussi. Don't be shy. Ok? Puis arrêtez de vous dire, mais tout le monde le fait. Non, guys, chacun a sa façon unique de faire les choses. Ok? Certaines personnes vont vous apprécier. Ok? Do it! Message self-care, s'il vous plaît, pour Mister. Si. Celui qui watch la vidéo. Pour celui qui watch la vidéo. Regardez. Alors, ça, je vous quitte. Et pour vrai, much love pour tous ceux qui me supportent. Wow! Faites un planning d'abondance. Je parlais de manifestation aussi. Je vais mettre ça un peu rentrer là-dedans. Connectez-vous avec des cristaux. Rose quartz aussi, surtout pour le self-love, va vous aider à travailler sur votre amour de soi, ok? Petit massage, vous êtes tendu à certains endroits, ok? Je vous sens, il y a le stress, la peur, juste, allez prendre un petit massage, guys, ok? Merci, je sais pas pourquoi j'ai entendu you beautiful, thank you. Weed, qu'est-ce que je vous disais au début? Lisez des livres, éduquez-vous, it's time. Arrêtez de chercher les réponses à l'extérieur de vous. Je vais vous le dire, guys. Chantez, ok. Même si tu ne sais pas chanter, c'est pas grave. Ça aide à élever tes vibrations, vos vibrations. Utilisez vos mains. Soyez artistique, utilisez vos mains. Peut-être que aussi, vous avez un talent avec les mains, vous savez construire quelque chose. Do it! Connectez-vous avec vos ancêtres. Ils attendent que ça. It's time. Un dernier super spirit. Mangez bien. On parlait de nourriture, bien manger, ok? Préparez-vous des petits repas, ok? Et suivez votre intuition. Ça va vraiment être important. Ah, et nettoyez, purifiez vos énergies, mais aussi les allergies. Vous avez peut-être des allergies, je sais pas. Purifiez votre espace, ok? Clean your space. Bon, ok, il y a cette... vous faites le ménage, vous avez besoin de le faire. Organisez votre bureau, votre maison, mettez tout en ordre. Mais il y a aussi de purifier, nettoyer votre espace, ok? Il y a peut-être des énergies négatives un peu qui sont à nettoyer. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. J'espère que vous allez apprécier ou que vous appréciez ce message-là, d'accord? Vraiment, thank you very much. Ça va être comme ça maintenant. Je pense que je vais vraiment plus m'aligner avec des messages. So, thank you guys et à la prochaine.